Bonjour à tous, c'est Goomba. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous faire de vous présenter un nouveau jeu Switch. Avec ce très très belle présentation CGI en dessin animé, cutscene en dessin animé, de la part de Monster Boy and the Cursed Kingdom, comme c'est écrit. Voilà, avec une belle musique japonaise pour commencer. Donc c'est un jeu sorti en décembre 2018 sur PlayStation 4, Xbox One et donc Switch, hein, c'est la version que je vous présente. Et il est sorti sur PC, sur Steam, hein, en juillet 2019, donc 6 mois après, pour ceux qui ont vraiment envie de l'essayer même sur PC. Alors ce jeu, en fait, il a été développé par des petits français, Game Atelier, basé sur Paris. Eux aussi fans de la Master System à l'époque, et notamment de Wonder Boy The Dragon's Trap, dont ce jeu va reprendre les fondements du gameplay, en fait. Voilà, tout simplement. Édité par FDG Entertainment. Et voilà. FDG Entertainment. Et donc, qui est un éditeur de jeux français aussi. Et surtout, bien sûr, supervisé par Ryuichi Nishizawa, le créateur de la franchise Wonder Boy. En sachant qu'il y aura aussi plusieurs japonais qui seront là pour la composition musicale du jeu. Voilà, tout simplement. Donc, je vais vous faire une nouvelle partie. Juste pour vous présenter, et ce jeu, effectivement, comme il a été supervisé par Ryuichi Nishizawa, c'était l'accord entre Game Atelier et le créateur, et bien ce jeu est officiellement entré dans la série des Wonder Boys, c'est officiellement le 7e épisode de la franchise, en sachant qu'est-ce que je voulais dire, je ne sais plus. En sachant que le dernier épisode était sorti en 94, hein, c'était, je sais plus comment il s'appelle, Monster World 5, un truc comme ça. Alors attention, là, scénario, effectivement, il y a un vieux pépé sur son tonneau, là, qui est en train de transformer tout et n'importe quoi, et là ça devient un peu le bazar, voilà tout simplement. Quelque chose qui ne tourne pas rond. Alors comme d'habitude sur Switch, pour capturer, j'utilise ma télé, mais moi, normalement, je joue essentiellement, intégralement, d'ailleurs, la majorité du temps, en mode portable. Hein, parce que je suis une feignasse, voilà, tout simplement. Et puisque j'adore le mode portable, écoutez, c'est mon délire. Donc, la console qui est vraiment faite pour moi, en fait, tout simplement. Donc, vous voyez, c'est un jeu d'aventure action 2D, hein, aventure action plateforme 2D. Comme à l'ancienne, comme je l'ai dit, c'est un jeu qui reprend totalement le principe, vraiment le fondement du gameplay de Wonder Boy The Dragon's Trap, donc le jeu que je vous ai présenté dans la dernière vidéo. Donc là, on a, là dans le scénario, c'est le frère hein, qui s'est fait transformer en dragon par le vieux Pépé, qui est en fait l'oncle des deux, en fait, hein, donc des deux frères. Donc là, on ne sait pas ce qui se passe et on va essayer d'enquêter, tout simplement. Alors allons-y, pour voir. On se retrouve totalement, rappelez-vous de ma dernière vidéo Wonder Boy The Dragon's Trap, on se retrouve totalement dans un jeu à l'essence Wonder Boy. Vraiment, c'est la même chose, tout simplement. Avec des plateformes, de l'eau en bas. Savais-tu que tu pouvais attaquer tout en étant un poupée? Bah merci, c'est très gentil. Voilà. Donc c'est marrant, hein, c'est un jeu qui a été en fait au départ Game Atelier. Voulait faire une suite à un jeu qui avait rencontré un très beau succès sur mobile, donc qui s'appelait Flying Hamster. Il voulait faire un Flying Hamster 2. Et puis finalement, je sais pas trop comment ça s'est passé, mais on sait pas d'ailleurs comment ça s'est passé au niveau des accords, mais effectivement, ils ont réussi à discuter avec le... Zut, moi je fais des bêtises. Je fais des bêtises! Ah, c'est ça. Je me rappelais même pas que ça assommait les personnages. Les ennemis, pardon. Donc, ouais. Ils ont réussi à collaborer, à discuter avec le créateur. Alors, je sais pas quand ça s'est fait, ça. Mais ça leur a permis de donner confiance au créateur pour créer un 7e épisode de la série. C'est quand même très fort, hein. Parce que la dernière vidéo que je vous ai faite, c'était sur un jeu... C'était sur un remake d'un jeu... d'un épisode déjà existant, mais là c'est encore plus fort. Donc on a des fans français
qui eux aussi avaient joué à la Master System à l'époque, et qui avaient joué à Wonder Boys Dragon's Trap, ils avaient adoré. Et qui se sont permis, l'un de leurs rêves, on a compris que 9 pièces. Bon, on va devoir avoir des pièces. Ah non, même pas. Bon, j'ai essayé d'en récupérer une. Donc ça, c'est des sauvegardes. Hein. On sauvegarde beaucoup, il y a quand même beaucoup de checkpoints. Bon, les checkpoints, évidemment, vont se réduire à mesure qu'on avance dans le jeu. Mais voilà, bon, on a quand même, au début, plusieurs checkpoints. Donc c'est ça qui est cool. Et là, je vais pouvoir acheter mes bottes de plomb. Alors là, ça va bien, ça ressemble. Ça fait référence à Zelda. Ocarina of Time. Donc là, on va dans le menu. Donc comme ça, ça me permet de présenter aussi le menu. Donc là, évidemment, c'est comme dans Dragon's Trap. Hein, on a une épée, un bouclier, une armure. Et en plus, ce qu'ils ont mis, c'est le bracelet et la botte. Voilà, tout simplement. Et évidemment, on aura des objets de quête et des objets bonus pour récupérer de la vie ou se débarrasser d'une altération d'état. Ce genre de choses. Voilà, donc je vais me mettre là, hop là. Voilà. Donc il y a beaucoup d'inspiration dans ce jeu. Hein. Moi, je vois même une inspiration Metal Gear à un moment. Ah oui, c'est vrai. Boum. J'avais oublié les bottes de plomb qui font carrément des séismes. Donc lui, il faut vraiment connaître la série Wonder Boy, puisque moi je la connaissais pas. Pas assez en tout cas, enfin pas beaucoup, très peu. Et en fait lui c'est l'un des personnages emblématiques de Monster World 5, qui était sorti sur Mega Drive en 1994. Voilà. A savoir que donc ce jeu se passe, je savais pas, on va dire dans la temporalité de Monster World 5, c'est-à-dire qu'il... Que ça se passe quelques années après les événements de Monster World 5 avec l'héroïne Asha, pour ceux qui connaissent, qui avait des cheveux verts. Et donc ce monstre là qu'on voit, cette espèce d'oiseau bleu là, ce monstre bleu avec des ailes, j'avais besoin des bottes de plomb hein, pour aller dans le... ce monstre bleu qu'on voit avec des ailes, en fait, cherche une fille aux cheveux verts. Et pour évidemment les fans de la série, ils savent qu'on parle de l'héroïne de Monster World 5. Voilà. Donc c'est un jeu qui, en termes de scénaristique, va faire beaucoup de références, en tout cas plusieurs références, aux anciens épisodes de la série, et c'est ça qui m'a fait dire ensuite qu'effectivement, le jeu était peut-être ancré dans la franchise. Moi je savais pas, hein. Je pensais qu'en fait, c'était même un jeu où le créateur avait donné son accord, mais pas plus que ça, et le créateur voulait pas forcément que le jeu soit... rentre en... Ah, zut. Bon, ça donne pas... Ça enlève pas d'énergie, ça met juste une tache d'encre, un peu à la Mario Kart. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de références à des jeux japonais, à des grandes franchises de jeux japonais, quoi. Ouais, tout simplement. Et voilà, donc là, j'ai un écu qui me permet... il est déjà équipé, donc très bien. On va aller... Hop. Voilà, je me baisse, je suis très fort. Donc là, vous revoyez un peu les ennemis. Là, d'ailleurs, vous avez vu que je me suis protégé avec mon bouclier. Je peux même me protéger comme ça. Hop! Ah, merci. Mais dis donc, tu peux me la donner. Attention, parce qu'il y a de l'oxygène, là. Faut pas la perdre. Et donc, c'est un jeu, effectivement, qui fait référence à beaucoup d'épisodes de la série. Donc, vraiment, qui veut vraiment qu'on le considère comme une suite. On le ressent un peu. C'est vrai qu'on le ressent un peu. Et c'est assez logique. Donc là, je vais remettre mes chaussures tout de suite. Merci. Même les crabes bleus, ils reprennent en fait vraiment la... Comment dire, les ennemis de la série, parce que les crabes bleus, en fait, ils sont plus forts que les crabes verts, et plus forts que les crabes rouges, et on le ressent, en fait. Donc là, vraiment, c'est vraiment pour nous dire, on est dans un Wonder Boy, quoi. Là, on n'est pas... Voilà, boum, terminé. Et là, on va pouvoir avancer pour continuer un peu notre périple. Donc voilà. Donc j'ai fait un peu l'intro du jeu. Oui, effectivement... la composition musicale, par contre, qui a été faite par les Japonais, alors là, des grands noms, hein, parce qu'il y a Yuzo Koshiro, qui a effectivement fait des compositions musicales pour Sega, beaucoup. Ensuite, il y a une... Alors là,
je doutais. En fait, il y avait quelque chose qui m'intriguait et en fait, je l'ai compris ensuite. Il y a une compositrice japonaise qui travaillait sur les Castlevania, sur la série de Castlevania, qui a fait des compositions musicales pour ce jeu. Et alors, franchement, ça m'étonne pas, parce qu'il y a vraiment des compositions musicales dans le jeu. J'avais l'impression qu'elle reprenait des samples de musique de Castlevania que j'avais fait, notamment les Castlevania DS. Donc c'est assez marrant. Et en fait, ils ont repris comme ça 4-5 grands compositeurs de jeux vidéo japonais pour faire les musiques de ce jeu. Donc vraiment, quelle chance, quoi. Ryuichi Nishizawa qui a vraiment fait les choses dans le bon sens pour vraiment accoucher d'un jeu, d'un très bon jeu, quoi. Voilà. Alors là, ah oui, il m'a donné une truffe qui va me permettre pouvoir faire du feu. Donc la magie, hein, bah, comme dans Dragonstrap, hein, clairement, on est vraiment pas dépaysé. Et on a des munitions pour la magie. Donc effectivement, là, vraiment, on se retrouve comme dans Dragonstrap. Mais alors, comme dans Dragonstrap, je m'arrête là avec les comparaisons. Parce que Dragonstrap, j'avais reproché au jeu d'avoir des mécaniques de jeu, des mécaniques vieillottes, très vieillottes, hein, parce que c'est un remake parfait du jeu. Avec les mécaniques de jeu vieilles, remakées aussi. Et là, pas du tout. Là, vraiment, on est dans un jeu récent qui va certes nous demander de faire des allers-retours, hein, comme dans tout jeu d'aventure qui se respecte. Mais là, c'est vraiment pas agaçant, en fait. Et puis, il y a toujours moyen aussi de résoudre les énigmes. Les énigmes sont pas complètement tordues, comme à l'époque, quoi. Donc, effectivement, là, on est vraiment dans un jeu récent. Et ça fait plaisir. Tout simplement. Parce qu'on ne peut pas se retrouver avec des jeux fous. Hop ! Dégage. Merci. Hop là, et voilà, un cœur. Terminé. Boum ! Ah oui, d'accord. Ok, donc ça m'ouvre ça, mais j'ai plus assez de feu, donc ça me sert à rien. Donc effectivement, il y a une porte secrète. On va essayer de la voir, mais si j'y arrive pas, tant pis. C'est pas grave, on fera autre chose. Donc je sais pas si on peut voir, oui, la carte, voilà. Donc il y aura tout ça à explorer. J'ai fait 1,5% de la carte actuellement. Voilà. Et donc en plus, on aura toujours d'ailleurs l'objectif qui sera marqué là, en vert. Donc effectivement, ça permet de voir les choses. Donc effectivement, on a une attaque principale, je l'ai pas dit. Bon, chaque personnage, donc évidemment, on va se transformer en monstre, hein, dans le jeu. Je vous montrerai. Mais chaque personnage a son propre gameplay, hein. Il y a des spécificités de gameplay. Alors ça, évidemment, je pourrais prendre mes bottes de plomb pour... Ça, je l'ai pas montré, hein. Mais je pourrais aller là, hein. C'est juste que je l'ai pas fait. Ça, par contre, ça sert à rien d'être là. Ouais, ça sert vraiment à rien, donc... Bon, je vais partir. Je vais présenter autre chose. Donc ça reprend, oui, on aura les spécificités de gameplay de chacun, et effectivement, même la magie, contrairement à Dragonstrap, même la magie, en fait, tous les persos ne pourront pas l'utiliser. Il y aura des persos pour l'utiliser, en fait. Voilà. Ah bah écoutez, je suis fou, je vais vous la faire. Comme ça, vous verrez une porte secrète. Hop là! Terminé. Là, hop, lui meurt, terminé, hop. Ah, ils sont forts les crabes, hein. Ils sont méchants. Hein. Ah oui, et en fait on va en arrière-plan. Ah oui, c'est rare quand même dans le jeu. Au début je croyais que ça allait se faire beaucoup ça. Mais non en fait. Ça se fait pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Il y en aura quelques-unes, mais pas tant que ça. Donc voilà, c'était vraiment un petit trésor. Le bouclier, effectivement, qu'on utilise sans rien faire. Il faut rien faire pour l'utiliser, c'est l'idée. Donc évidemment, c'est un coup à prendre aussi, voilà, tout simplement. Voilà, en termes de gameplay, bon, vous avez compris, aussi au niveau des sauts, bon, c'est un jeu de plateforme classique, hein, au niveau des sauts. On est vraiment dans un Wonder Boy pur jus qui reprend vraiment l'essence de la série. Tout simplement. Donc là, hop, j'ouvre ma petite plateforme. Ah oui, je me disais aussi qu'il y avait des trucs. Ça sentait. Voilà. Donc on va aller ici.
on va pouvoir faire ça. Hop, terminé. Donc, qu'est-ce que... Bah là, maintenant, je vais parler un peu de chaque spécificité du jeu. Donc, qu'est-ce que je pense au niveau graphique? Franchement, au niveau graphique, c'est vraiment une réussite, quoi. Parce qu'en termes graphique et animation, c'est marrant parce que c'est différent de Dragon's Trap, là, le remake. Mais ça respecte tout aussi bien. Il me semble que c'était ça. Hop. Ça respecte tout aussi bien la série, la franchise, tout simplement. Donc c'est ça qui est cool. En termes graphiques, c'est que vraiment on est dans un vrai dessin animé. Et ça fait plaisir, hein, tout simplement. Il n'y a pas grand chose à dire de plus, hein, sur ça. Boum. Terminé. Je me demande s'il y a un truc ici. Non. Hop. Ah oui, d'accord. Je sais pas si je vais l'avoir. Ah ! Si, je l'ai eu. J'ai fait n'importe quoi, mais je l'ai eu. Voilà. Et donc là, évidemment, toujours aussi les magasins de cœur. Je les ai pas très bien montrés dans le remake, mais effectivement, on reprend aussi un peu cette idée. Ah, il y a une potion, là. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est pour me redonner une potion. Voilà. Enfin, c'est pour me donner une potion, un peu comme dans Dragon's Trap, c'est-à-dire que si on perd tous ses points de vie, la potion va nous les redonner complètement. Voilà, tout simplement. Donc là, on a vu notre oncle. On va voir ce qui va se passer. Et on aura le droit, spoil, à notre premier boss. Bon, je peux spoiler les 10, 20, 30 premières minutes de jeu. C'est pas non plus grave. Franchement, tout simplement. Donc au niveau graphique, c'est vraiment réussi et les développeurs français ont fait un très bon boulot, mais on sent, là encore, comme Lizard Cube qui avait fait le remake de Dragon's Trap, on sent que les mecs, vraiment, ils étaient passionnés par la série Wonder Boy, ils ont voulu faire un Wonder Boy comme à l'époque, quoi, avec les possibilités techniques actuelles. Donc effectivement, en termes graphiques, c'est vraiment une réussite, tout simplement. En termes sonores, bah comme je l'ai dit, les compositions musicales ont été faites par des grands japonais, donc normalement on devrait être dans l'excellence. Alors je suis pas tout à fait d'accord. Les compositions musicales sont très bonnes, certes, mais il y a quand même quelques compositions que je trouve sympas à court terme, mais à long terme, franchement, moi elles m'embêtent. Hein. Oh. Ah oui, c'est ça, ça fait... Un peu, ça fait... Là, par exemple, cette composition musicale, elle est énorme. Ah, zut. Ah, zut! Oh là là. Voilà, terminé. Voilà, terminé. C'est très difficile. En fait, ce poulpe, au départ, on peut mourir. Hein. Franchement, la première fois, c'est quand même difficile. On n'a que 3 cœurs. On se fait toucher de tous les côtés. Il faut vraiment bien se concentrer sur les patterns du boss pour vraiment réussir. Alors, la composition musicale, ouais, je voulais continuer là-dessus. Moi, j'ai trouvé qu'il y a certaines... Alors ça, c'est le premier point. J'ai deux points. Le premier point, c'est que certaines, ouais, à long terme, en fait, on en a marre de les écouter. Donc là, on se transforme en cochon. Et voilà, on se retrouve vraiment dans Dragon's Trap où on va voir plusieurs transformations d'animaux. Et ouais, à long terme, il y en a certaines, franchement, elles sont agaçantes à écouter, tout simplement. Alors, notamment la musique du village, voilà, tout simplement. La musique du village central, de la ville centrale plutôt, on va dire, qui est à la longue agaçante. Et pourquoi je dis à la longue? Parce qu'en fait, ça, c'est quand même un jeu aussi de réflexion où il va falloir résoudre des énigmes pour pouvoir progresser. Donc lui, la spécificité du cochon, en fait, bon là on est piégé, on peut plus se transformer en humain, mais ensuite à chaque fois qu'on aura une transformation, on pourra se retransformer en monstre précédent, ce qui n'était pas le cas dans Dragon's Trap, sauf à la fin. Voilà. Là, on pourra à chaque fois alterner, et c'est ça qui est bien. Donc, la spécificité du cochon, c'est effectivement son flair, son gros groin, son flair de gros groin, là,
qui nous permettra de regarder des secrets. Et vous voyez son attaque en fait, c'est avec son petit bras. Donc là on va avoir du mal, hein. Franchement les deux premiers monstres on va avoir du mal à attaquer parce qu'ils n'ont pas beaucoup de portée. Mais bon c'est le jeu qui veut ça, et c'est sa difficulté, donc tant mieux, limite. Voilà, des gouttes irisées. Bon, je vous explique pas à quoi ça sert. Ça va être très important. Bon, si, je peux vous le dire, ça va être très important pour récupérer les derniers secrets, quand on saura plus vraiment où aller pour en récupérer et pour faire les 100% du jeu. Donc c'est une aide plutôt sympa. Et ces gouttes irisées, vraiment, en fait, le marchand, on le trouvera vers la fin du jeu, en fait, tout simplement. Donc il faudra en récolter un maximum, justement, pour cet objectif. C'est vrai qu'au début du jeu, c'est un peu compliqué de le voir dès le départ. Voilà, donc en termes de composition musicale, voilà, c'était mon premier point. J'ai un deuxième point. Le deuxième point, c'est que, bon, je trouve que quelques compositeurs, notamment la compositrice de Castlevania, donc là, très bien, on est dans les égouts, c'est super. En fait, elle a repris des samples, de ses anciennes compositions musicales. Ah ouais, c'est vrai qu'il peut faire ça, lui. Il peut faire son coup de fesse qui est énorme. Alors, il y a certains monstres qui n'auront pas un coup comme ça. Parce que finalement, l'humain... Ah zut. L'humain en aura un. Ah oui, c'est vrai. Zut. Mais... Bon. Ok. Je peux juste faire ça, en fait. Merci. Voilà, merci. Donc voilà, elle a été un peu fainéante, je trouve, parce que en fait, la musique des égouts, là, cette musique, je l'ai déjà entendue dans un Castlevania DS, parce que c'est les Castlevania que je connais, vu que je les ai faits, et c'était déjà des remixes d'anciens Castlevania, je pense. Ouh ! Merci. Voilà. Merci pour les blobs, bon c'est les premiers ennemis, hein, c'est normal. Voilà, donc effectivement j'ai trouvé ça un peu fainéant de sa part, et j'ai pas trouvé, vu les grands noms qu'il y avait sur cette série, j'ai pas trouvé qu'ils avaient fait un aussi bon boulot que on aurait pu attendre de leur part. Voilà. Mais bon, je chipote, hein, c'est quand même très bon, hein, au niveau musical, mais ah quand même, c'est des stars, hein, qu'ils ont pris. Donc, Yuzo Koshiro, ils ont pris la compositrice là, des Castlevania, franchement c'est pas des petits noms quoi. Et c'est ça que je reproche un peu au jeu. Voilà, en termes de qualité, j'aurais pu attendre mieux, mais c'est quand même très bon. Hein. Faut pas non plus exagérer. Tout simplement. Au contraire du remake. Ah oui mais. Ah si j'ai une clé. Au contraire du remake. Qui a été fait juste par le compositeur français, qui a un peu remixé, qui a surtout remixé, en fait, il a quand même seulement remixé les anciennes compositions, mais qui a fait un travail énorme, qui fait que, moi, il n'y a aucune musique que je trouve agaçante dans le remake Dragon's Trap. Alors que là, c'est moins le cas, il y a deux, trois compositions qui m'ont un peu embêté, notamment la composition de la ville, qui à long terme est assez agaçante à écouter. Voilà, tout simplement. Et à noter aussi qu'il y a l'ancien compositeur musical de Wonder Boy qui a fait les anciens remixes. Il n'a pas fait il a fait aucune musique originale, il a juste fait les remixes remis au goût du jour en fait. Voilà, qui a remis au goût du jour en fait. Voilà, ça je l'ai fait. Qui a remis au goût du jour les musiques de Wonder Boy tout simplement. Je sais pas où aller, je sais plus hein. Ah, c'était très bien d'aller là. Bon, ben là j'en ai 10. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas. Alors en fait, j'ai récupéré une truffe à un moment. C'était d'ailleurs le monstre bleu volant là qui me l'a donné. En fait, à chaque fois, ça me donne 5 munitions de plus pour mes magies. Et donc dans le jeu, il va falloir récupérer plein de truffes. Il y a plein d'objets annexes à récupérer, notamment les truffes. Les truffes. Pour augmenter nos munitions de magie, tout simplement. Ce qui va être très important pour pouvoir... D'accord, je suis nul. Pour pouvoir récupérer des coffres et d'autres bonus. En fait. Évidemment, on a 3 cœurs, on peut en avoir, je sais même plus, 20 20 au maximum. Hein. Bah dis donc, je suis nul ou... Je le fais exprès.
Hop, voilà, c'est ça qu'il fallait faire. Donc voilà. Merci. Voilà. Voilà. Là, il y a un truc, mais je sais même plus comment on y va. Ah oui. Simplement. Donc voilà, en termes musical, voilà. Donc je trouve que d'ailleurs Sakamoto, donc effectivement le compositeur emblématique de la série Wonder Boy, a fait du bon boulot dans ses remixes, je trouve. Ça c'est une chose. Donc en fait, en termes d'ambiance globale, hein, musicale et graphique, le jeu est très très bien foutu. Je vais un petit peu parler du scénario. Alors le scénario, comme je l'ai dit, prend beaucoup de références aux anciens Wonder Boy, et ça fait plaisir. Vraiment, les fans de Wonder Boy, donc les trentenaires et les quarantenaires, seront très très contents de du boulot de Game Atelier, mais aussi de Ryuichi Nishizawa qui les a supervisés, hein, notamment. Mais bon, les idées, je pense, viennent plus des Français. Hein. Enfin, faut voir. Peut-être que non. qu'est-ce qu'il y a ici? Ah oui, je peux pas le faire pour l'instant, évidemment, ça c'est une spécificité d'un des monstres, mais pas celui-là. Voilà, tout simplement. Donc, bon, on va continuer, hein. Je vais essayer de faire les égouts jusqu'au bout. C'est vrai que j'aurais voulu aller jusqu'au deuxième monstre, mais en fait ça va être trop long. Boum! Terminé. Boum, voilà. Donc je voulais aller jusqu'au deuxième monstre, mais ça va être un petit peu long. Voilà. Donc là, notre frère qui nous retrouve en forme de cochon, il rigole un peu, évidemment, c'est un peu logique. Oui, donc en termes de scénario, il y a d'abord ces références qui sont vraiment cool. Ensuite, le scénario en soi, le scénario global du jeu, la progression scénaristique est plutôt sympathique, mais simpliste en fait. Même les twists, en fait, enfin, ils sont vraiment prévisibles. Hein. C'est vraiment, en termes de scénario, c'est vraiment un scénario pour les jeunes. Sans plus, c'est sympa, mais sans plus. Mais c'est vrai qu'il y a un peu d'humour, ça c'est cool. On est vraiment dans un dessin animé, quoi. On est dans un dessin animé et c'est vraiment sympa. Ah oui, donc là on retrouve le labyrinthe de Wonder Boys de Dragon's Trap, hein, où il faut faire attention où on va, sinon on saura pas où aller. Donc évidemment, il faut aller à gauche pour pas se tromper. Donc là, vraiment, on se retrouve dans Wonder Boys de Dragon's Trap. Au lieu d'être dans le château du début, on est dans les égouts. C'est assez marrant. Donc c'est assez drôle d'avoir fait ça. Donc évidemment, plein de petites références. Et ça fait plaisir, vraiment. Donc en termes de scénario, voilà, j'ai pas plus à dire, c'est cool, sans plus, quoi, tout simplement. Ouais, peut-être que je vais acheter une petite potion, on sait jamais. Et on va aller directement, alors là, évidemment, on a pris des cœurs, on a sauvegardé, qu'est-ce qui se passe? Hop là! Donc il y a, évidemment, un boss, un petit boss de derrière les fagots, qu'il va falloir affronter. Okay. Ah oui, non, mais là j'ai été nul en plus. Surtout que je lui ai balancé des boules de feu pour rien. c'est simple. Donc en termes de magie, je l'ai pas dit, mais on retrouvera les magies de Dragon's Trap plus ou moins. Hein. Enfin, il y a quand même quelques différences. Il y a. Donc on retrouvera donc le boomerang, il sera là, on aura des bombes, donc c'était pas le cas dans Dragon's Trap. Hein. On aura la fameuse tornade qu'on balance sur le sol, là, qui fait mal à plein d'ennemis à la fois. Ah oui, d'accord. Donc j'ai pris quand même son séisme. Oh putain! Voilà, je joue très mal. Hein. Je joue très mal, mais bon, je vais y arriver.
Hop là. Voilà. Voilà, en termes de scénario, ça fait plaisir. Oh zut. Là, j'ai fait n'importe quoi. Bon, je vais y arriver à le... Même pas. Voilà. Terminé. À l'ancienne, je l'ai eu. Dans le dos. Comme le ferait un cochon lâche. Tout simplement. Et donc là, j'ai récupéré une clé pour progresser, blablabla, et vous avez compris. Donc, en termes de difficulté, le jeu est plutôt... Bah, il y a vraiment une difficulté progressive, hein. La première partie du jeu est plutôt, on va dire... J'appelle ça une difficulté moyenne, quoi, équilibrée. C'est vraiment ni trop dur, ni trop facile. Mais vraiment, on progresse assez facilement. Enfin, sans trop de souffrance. Sans souffrance, d'ailleurs. Et par contre, ensuite, à la deuxième partie du jeu, là, les deux derniers donjons... Le volcan et le manoir hanté, là par contre ça va être extrême. Ça va vraiment être relevé. Donc la deuxième partie du jeu qui correspond. C'est pas la deuxième partie en fait, c'est le dernier tiers du jeu. Alors attendez, qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, qu'est-ce qu'il va faire? Ah oui, d'accord, ok. Et là je gagne un cœur. Voilà un petit conteneur, et donc il y aura 17 cœurs à retrouver. Bon, il y en aura dans les quêtes principales qu'on récupérera quand même. Ça, je me rappelle plus ce qu'il y a ici. Je pense qu'il n'y a rien, il faut continuer, hein, je pense. Enfin, vous ferez de vous-même, hein, de toute façon, là, je suis pas en train de faire un test, enfin, je suis pas en train de faire un walkthrough, quoi. Ah, mais oui, mais en fait, j'ai fait le tour, voilà, parce que je regarde pas la carte. En fait, j'ai fait le tour, donc effectivement, tout ça, je l'ai déjà fait, donc ça ne me sert à rien. J'avais déjà vu, d'ailleurs, cette porte, je crois. Et donc là, en fait, on nous explique, bon, c'est pour aller dans la ville. Donc la fameuse ville principale avec sa musique, sympa à court terme et agaçante à long terme. Voilà. Donc en termes de difficulté, voilà, c'est très progressif et c'est très bien fait. Et je vais peut-être parler du gameplay, j'en ai pas parlé. Donc en fait, en termes de gameplay, bon, j'en ai un peu parlé comme ça. Là, on nous explique. Maintenant, il y a un didacticien au début. On nous explique tout, mais après faudra réfléchir. Ce sera pas forcément des énigmes faciles. Voilà, en termes de gameplay, bon, ils ont en fait développé la recette Dragonstrap. Il n'y a plus toutes ces énigmes impossibles à résoudre, et on bloquera jamais 2 heures ou 3 heures où il va falloir voir une soluce pour regarder ce qu'il faut faire. Ça, normalement, ça a été équilibré pour que ça n'arrive jamais. Les énigmes sont vraiment faites pour qu'on y arrive, mais il faudra quand même un peu du jote, hein, sinon on n'y arrivera pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu fous, toi? Il m'a fait un roi blob. Incroyable. Attendez. Je vais essayer de le péter, ça me fait rire. Ça. Je crois que je sais pas si je l'ai déjà eu. Donc là, c'est une transformation, là, ici. Pour entrer, effectivement. Il faut voir tout ce truc. Hein. Là, forcément, au début. Tu vas mourir. Voilà. Merci. Il faudra aussi faire ça, bien sûr. J'ai oublié. Voilà. Donc voilà, en termes de gameplay, ils ont développé très bien le gameplay avec les nouveaux monstres, qui ont tous vraiment des spécificités. C'est bien plus développé, évidemment, que dans Dragonstrap. La progression, comme je l'ai dit, c'est des allers-retours, mais qui ne sont pas forcément... qui sont pas agaçants, bon, comme ça l'était dans Dragonstrap. Le vrai problème de Dragonstrap, c'était les énigmes qui étaient pratiquement impossibles à réaliser tout seul, quoi. Donc c'est ça qui était embêtant. Là, c'est plus le cas. Vraiment, ils ont fait un jeu qui est cohérent, quoi. Voilà, tout simplement. Alors que les énigmes de Dragonstrap étaient parfois... pas forcément incohérente, mais aberrante, en tout cas. Tout simplement. Donc ouais, la musique, par exemple, là, de la ville centrale est vraiment sympa, mais à un moment, on en a marre, quoi. Elle est vraiment agaçante, tout simplement. Donc, écoutez, je vais juste peut-être sauvegarder dans cette ville. Et là, en fait, on est ensemble. Alors, évidemment, comme c'est notre oncle qui a foutu le bordel, là, on veut nous arrêter, puis en fait, on explique que non. Notre oncle, on sait même pas pourquoi il est comme ça, normalement, il est gentil. Et on va nous croire, et on va nous demander d'aller chercher
des artefacts pour pouvoir, comment dire, éliminer la malédiction que subit tous les êtres vivants, enfin tous les êtres humains de l'univers de la carte là, je sais pas comment ça s'appelle, la carte du monde là. Mais bon, bref, en tout cas tous les humains, tout simplement. Donc là l'idée, alors lui en fait il va falloir lui trouver des petites des compositions musicales, voilà. Et donc bon bah, et donc ça fera un truc à donner. Il va nous donner la carte là, toujours 21 et... Ah ouais, il nous dit pas. Alors ça doit être une référence, ce lapin, mais je vois pas qui c'est. Ça me dit quelque chose, mais je sais pas qui c'est. Alors en fait, le problème c'est que tous les humains ont été transformés en fait. Voilà, tout simplement. Donc là en fait, l'oncle a transformé tous les humains, donc c'est pour ça qu'on voit des girafes, des lapins, des chiens, des taureaux. Et en fait, il y a aussi la fille rousse là, à l'arrière-plan, c'est pas un monstre. Donc ça doit faire référence à quelque chose, mais moi je sais pas. Voilà. Donc là, en fait, ça, c'est une téléportation. Et là, pour l'instant, je peux rien faire. Tout simplement. C'est un peu l'idée. Et là, je pense que c'est le moulin. Mais le moulin, comme dans Dragon's Trap, il y avait une espèce de moulin aussi. Mais là, pour l'instant, je peux pas le faire, ça. Donc, je vais pas le faire. Et je vais vaquer à mes occupations. Donc oui, en termes de monstres, c'est vraiment cool. Ça, par exemple, là, en finissant le jeu, j'ai jamais compris cette énigme. Je sais pas comment ouvrir ce puits, mais bon. Donc là, il y a une auberge pour dormir, voilà, bon. Enfin, vous avez compris. Je vais lâcher l'affaire sur ça, et je vais retourner au menu principal pour vous présenter le gameplay complet du jeu. Oula, j'ai eu peur d'avoir perdu ma partie où j'ai fini le jeu, évidemment. Dans laquelle j'ai fini le jeu. Donc là, le gameplay est extrêmement fort. Hein. Donc voilà. Donc là, on va pouvoir se transformer en plusieurs persos. À chaque fois, on en découvrira un nouveau. Donc là, c'était le cochon. Avec, en fait, le serpent. Donc, attendez. Ah oui, on peut. Oui, j'ai le double saut en plus. Donc c'est juste pour montrer que seul le serpent peut attaquer cette plante là avec son venin. Et on va pouvoir cracher du venin et monter sur les plateformes, en fait. C'est ça la spécificité du serpent. Il aura aussi un nouveau coup et pourra aller, en fait, dans des endroits exigus. Là, la grenouille... Alors, j'aimerais bien montrer, parce que la grenouille, elle va faire des coups de langue. C'est ça, vraiment, sa spécificité, à la grenouille. Donc, je sais pas si je pourrais trouver un moyen de montrer des coups de langue. Ah, ça, c'est vraiment le serpent. Donc en fait, il va falloir alterner vraiment entre tous les persos. Là, je suis vraiment à un endroit qui est au début du jeu, hein, donc vraiment, donc il n'y a pas que dans les endroits finaux qu'il va falloir alterner entre tous les animaux, tous les monstres. Ce qui était le cas d'ailleurs dans Dragon's Trap, qui était un peu frustrant, c'était qu'il n'y avait que le dernier passage du jeu où il fallait alterner entre tous les monstres pour pouvoir utiliser le gameplay, tout le gameplay du jeu. Quoi. Voilà, en fait... Voilà, tout simplement, c'est lui qui a... Voilà, il peut faire des coups de langue, justement, pour utiliser ça. Et il y aura vraiment des bonnes périodes... Des très bonnes... Ah oui, voilà. Ah, zut. Là, je suis nul. Désolé. Voilà. Bon, là, je suis vraiment nul. Mais voilà, en gros, c'est ça, avec lui. Alors, je vais vous présenter le lion, parce que alors, le lion, c'est trop fort, ce qu'il peut faire. Lui, c'est carrément de la charge. Et donc on aura des moments, des phases de gameplay où justement il faudra utiliser cette charge et il faudra sauter au bon moment, faire cette charge haute au bon moment, enfin c'est vraiment trop trop cool. Et évidemment ensuite on aura le dernier monstre qui nous permettra d'explorer tous les anciens environnements de fond en comble pour découvrir les derniers secrets du jeu, voilà, tout simplement. Et puis évidemment on récupérera l'humain qui récupérera en même temps un dash, mais il faudra le trouver. Donc je vais juste vous montrer, bon évidemment on aura 8 armes, 3, 4, 5, 6, 7, non 7 armes à trouver, dont à chaque fois l'équipement or pour chaque arme. Donc j'ai pas tout trouvé, hein. J'ai juste l'épée or en fait. L'armure, il faut que j'ai beaucoup d'argent pour pouvoir la faire, l'armure d'or. Mais bon, c'est des bonus qui nous permettront de nous faciliter les choses dans le dernier passage du jeu, la dernière zone du jeu. Et effectivement, il faudra trouver, bon ça c'est
ces fameuses orbes de la quête qui vont nous permettre de nous transformer. Vous voyez les magies, je vous avais pas présenté, mais donc on aura le boomerang, l'éclair, alors qui tuera pas tout à l'écran, là c'est vraiment une attaque verticale. La tornade, attaque horizontale sur le sol, et donc les bombes qui nous permettront de détruire des blocs. Vraiment là c'est du Zelda, hein, ou du Bomberman comme vous voulez. Et il va falloir trouver aussi des talismans dans les zones du jeu. Alors ça, c'est pas vraiment facultatif, ce sera quand même dans la quête principale parce que ça amène un pouvoir pour chaque monstre. Voilà. Et puis ça c'est les compositions musicales, j'ai pas tout trouvé, les partitions. Voilà. Et voilà, et puis donc on aura des potions pour la vie, empoisonnement, et puis toutes sortes de bonus. Tout, et les matériaux, ah oui, parce que je vous ai pas montré, on aura des matériaux pour améliorer nos équipements, parce que c'est ça que je vous ai pas montré. Les équipements, là, vous voyez qu'il y a des niveaux, qui sont verrouillés, et en fait, ça, il faudra aller chez le marchand, qui est celui qui prépare les armes, quoi. Un armurier, on va dire, pour pouvoir débloquer avec les bons matériaux et le bon prix, évidemment, parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre, pour pouvoir améliorer ses équipements. Voilà, je pense que j'ai été assez exhaustif sur ce jeu. J'ai pas parlé de la durée de vie, donc c'est 20 heures de jeu. Et pas répétitif, quoi. Effectivement, les 20 heures se font très bien. J'étais assez impressionné par le fait que ce jeu soit si long. 20 heures de jeu, j'ai exploré 80% du jeu, en fait, en termes d'objets annexes et d'exploration du monde. Mais si on veut faire les 100%, je pense qu'il faut aller jusqu'à la trentaine d'heures. Hein. Faut pousser jusqu'à la trentaine d'heures, donc ça c'est plutôt cool. Regardez, hop, une phase de gameplay avec notre ami. Ah non, on l'a pas, c'est dommage. J'aurais bien aimé l'avoir, mais je suis pas sûr que je l'ai. Ah oui, en plus il y a les petits anneaux là pour faire son Indiana Jones. Hop là! Donc là c'est pas une phase. Il y a des meilleures phases hein, avec la grenouille, mais vraiment c'est déjà bien en fait. Hein. Là je fais n'importe quoi. C'est triste, j'ai envie de dire que c'est triste. Hop! Hop là! Donc là évidemment ça va, c'est assez facile. Donc évidemment les armures et les armes qui nous permettront d'avoir des. Comment dire? Des capacités supplémentaires, notamment le double saut par exemple. Voilà, tout simplement. Voilà, je veux surtout faire juste une conclusion. En termes de gameplay, je vais pas parler du bestiaire. Le bestiaire est très varié, il reprend les ennemis de Wonderboy, mais aussi des ennemis originaux. Les boss aussi sont on a des bons combats contre eux, donc ça c'est plutôt sympa. Globalement, je pense que j'ai été clair. Le tout est excellent, vraiment. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. Tout a été fait pour que le jeu soit excellent, et ça l'est, quoi. Donc effectivement, il n'y a rien à dire, en fait. Là, en fait, il faut prendre le serpent, vous voyez, il faut vraiment alterner. Voilà. Ah, c'est marrant, ça, je sais plus comment on fait ça. Voilà, hop là. Hop là. Ça, je sais pas si ça sert, mais... Ah, ouais, ok, d'accord. Je me rappelle de ça. Je sais même plus où je suis. Bon bref, en fait, il y a encore des choses à récupérer, mais là je le fais pas. Je vais vous présenter un truc que j'aurais récupéré, mais j'ai même pas envie, en fait. Je pense que j'ai été assez clair sur le jeu. Je vais pas donner ma conclusion, surtout. C'est ça qui... Est-ce que j'ai oublié de parler d'une chose? Je ne pense pas. Oui, j'ai dit que tout était excellent. Moi, mon seul défaut majeur... Est-ce qu'il y a un défaut majeur, déjà, dans ce jeu? Ben, je crois pas. Honnêtement, franchement. En fait, ils ont... J'allais dire, débroussaillé la vieille mécanique de Dragon's Trap pour en faire un jeu vraiment actuel. Même si c'est rétro parce que c'est de la 2D, mais c'est de la mécanique de jeu actuelle, donc franchement il n'y a rien à dire. En fait le jeu est vraiment très bon, donc j'en dirai pas plus. Je vous le conseille absolument, le jeu est vraiment très bon. C'est le 7e épisode de la franchise qui vraiment en termes scénaristiques permet de savoir un peu ce qui s'est passé après Monster World 5. Bon, c'est pas tout à fait vrai, mais effectivement, même j'aimerais avoir une suite à ce jeu, juste pour voir ce qu'ils vont faire ensuite. Ça m'intéresse.
Et voilà, tout simplement. J'aimerais que Game Atelier fasse une suite à ce jeu. Ça nous permettrait d'avoir un 8e épisode à la série Wonder Boy. Et franchement, ce jeu-là donne une vraie... comment dire, un vrai hommage, un vrai bel hommage à la série Wonder Boy, et ça fait vraiment plaisir, clairement, parce que c'est une franchise qui aurait jamais dû réellement disparaître, et voilà, tout simplement. Alors qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Ah tiens, je vais vous présenter la téléportation, tout simplement, où je pourrais aller. Ah, ça c'est le temps perdu. Ouais, je pourrais vous présenter ça, mais bon, c'est pas non plus ultra top. Mais... là c'est vraiment l'endroit du lion, je dirais. Mais... donc la musique, franchement, ouais, il y a vraiment des bonnes. Hein. Ah ouais, c'était la fameuse, fameuse endroit un petit peu chiant quand même. Hop. Donc voilà, en termes de conclusion, j'ai pas grand chose à dire de plus. À part que, effectivement, franchement, en fait, ce jeu, j'aimerais bien voir une suite, et voilà, tout simplement, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Enfin, tout simplement, on aura même un bouclier pour faire réfléchir les bombes. Hop là, terminé. Donc, vous voyez, j'ai aussi beaucoup de cœur, enfin bon, il y aura évidemment beaucoup de choses à récupérer, tout simplement. Bon, j'en finis là parce que j'ai plus grand chose à dire. Je vous conseille absolument ce jeu. C'est un jeu qui a eu un très bon succès commercial sur Switch. Un peu comme le remake de Dragon's Trap d'ailleurs. C'est vraiment des jeux, je pense, qui touchent leur cible aussi sur Switch. Hein. Vraiment, en termes d'ambiance, on est vraiment dans le côté Nintendo, hein, ça c'est clair. Et ça fait plaisir parce que c'est vraiment un jeu qui le mérite. Et j'espère, grâce à ce succès commercial, qu'on en verra une suite. Voilà, tout simplement. Écoutez, j'ai plus grand chose à dire, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !